L'assurance de Dieu se manifeste notamment à travers la lumière qui est Jésus-Christ, selon que l'Écriture dit dans Ésaïe 9:2 que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. La messagère de Jésus, Mama Kedia Olangi, qui revient d'un séjour missionnaire au Canada, nous a exhortés dans ce sens le dimanche à la Cité des Triomphes. À l'initiative d'un groupe de serviteurs et servantes de Dieu de la RDC, deux journées de restauration de l'Église ont été organisées à Kinshasa. Objectif de ce programme, animé par le pasteur Talingano de la RCA, remettre Jésus-Christ au cœur du message des Églises de réveil en RDC. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Qui est disciple en formation. Le Dieu de la continuité encore et toujours à l'œuvre au ministère chrétien du combat spirituel. En témoignent les élévations des trois disciples de Jésus du Centre Péniel Mondial Kinshasa. Le dimanche au culte d'adoration à la Cité des Triomphes, ils nous ont rassuré que réellement l'élévation vient de l'Éternel. Le premier à prendre la parole, Papa Général Ilunga Dikita. Il ne s'est pas arrêté là. Il a sali 9 ans la grade de général de brigade. Il a fait 9 ans avec ce grade de général de brigade. Et là, Ndambewana a tombolinga la grade de général major. Oui, aujourd'hui, c'est Dieu m'a promis de devenir général major. Au magistrat, le général-major Ilunga est notamment directeur de cabinet de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le deuxième témoin, Papa Ekofo Ingania, était colonel il y a peu. Nous avons attendu 18 ans. 18 ans de grade de colonel Foul. Et le 17 octobre de cette année, oui, 17 octobre, il y a Mobu Moye. Nous avons été promis au rang et à l'appellation de général de brigade. Nazwa qui pété, il y a général de brigade. Le désormais général Ekofo est président à la haute cour militaire de la RDC. Le troisième témoin, c'est le disciple de Jésus en formation, le général Brindo Mandefou. Et après 9 ans d'extermination, Sima ya Mobu Libwa ya ko. Dieu a voulu que nous soyons promis au grade du général major. En nous confiant la responsabilité de la gestion des ex-grands bandundu. Comme commandant de la 11e région militaire adjoint en charge des opérations et renseignements. Donc, commandant de la 11e région militaire, où il y a tellement de renseignements. Que Dieu vous bénisse, le Dieu de partenariat. Ils ont tous été promus récemment au terme d'une série d'ordonnances présidentielles visant à accélérer le processus de restructuration du commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. Dimanche de l'assurance en Christ, nous avons été édifiés à la Cité des Triomphes par la messagère de Jésus, Mama Kedia Olangi, qui revient d'un séjour missionnaire dans le siège de la Fondation Olangi Osho du Canada. Nous prions un Dieu de toute assurance. Dans l'Ancien Testament, il a assuré Abraham qu'il deviendra le père d'une multitude de nations alors que sa femme était stérile. L'assurance de Dieu ne tient pas compte de nos origines des ténèbres.
Dans la suite, l'Éternel a assuré la libération de la postérité d'Abraham de la servitude en Égypte à travers un homme qu'il s'était choisi. Cet homme, Moïse, n'est cependant pas entré dans le pays où coule le lait et le miel en raison des paroles de malédiction prononcées sur sa tribu. L'assurance des dieux se manifeste notamment à travers la lumière qui est Jésus-Christ, selon que l'Écriture dit dans Ésaïe 9, 2 que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Terminant son sermon par le Nouveau Testament, la messagère de Jésus a mis en évidence le jour de la réalisation de l'assurance des dieux à travers la venue de son Fils sur la terre. Le Messie est né d'une femme que la grâce divine avait localisée. Marie demande. Maria tuni motuna. Comment cela se fait? Eko sala mandenge nini? Moi, Ngai. Je ne suis pas encore mariée. Nanu na balité. Je suis célibataire. Nazanga mobali. On va me lapider. Bako bambanga mabanga. Comment cela se fait? Eko sala mandenge nini? L'ange lui dit. Ange ebisi eh. Tu as trouvé grâce. Osingolu. Quelles que soient tes origines. Atabisika yo uti. Tu as trouvé grâce. Osindengolu. Je parle à un papa. Nazanga na papa moko. Quelles que soient tes péchés. Atamasumu na yo. Tu as te dit. Zambalobi na yo. Il t'a pardonné aujourd'hui. Il te fait grâce. Il a fait grâce. La Bible dit. Bible lobby. Ange lui dit. Ange ABC. Pas n'importe quel ange. Ange, il y a une réunion sur terre. Vous savez quand Dieu doit venir avec l'assurance. Il n'envoie pas n'importe quel message. Aujourd'hui. Lelo. Ce n'est pas les petits anges. Ange, lui, mon qui était. Dieu m'a dit de te dire. Chaque combattant aujourd'hui sortira avec l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel t'accompagne. Ange Gabriel, c'est lui qui va te combattre. Au travail. Na mosala. Dans ta famille. Na libota na yo. Il va mourir. Yako kufa. L'ange Gabriel. Angelou Gabriel. C'est lui qui a visité maman Olang à la montagne. Oui, écoutez, quand maman Olang est en Gomba. L'ange lui dit. Angelou a ici. Va chez Elisabeth, ta cousine. Qui n'est pas Elisabeth, il n'est qu'on a moisi. Va te cacher là-bas. Qui n'est qu'on bat ta macuna. Parce qu'Elisabeth. Oui, Elisabeth. Elle était stérile. Azala qui est Gomba. Mais ça fait 6 mois. Elle a conçu. Azui Mokumba. En d'autres termes. Quand tu portes une vision. Quand Dieu te révèle des choses, cherche les Élisabeths. Lukaba Élisabeth. Ne cherche pas les ennemis de la destinée. Ko lukaba nguna ya lobi na yote. Nous avons un Dieu d'assurance. Ne tremblons donc pas devant l'ennemi, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Faisons pleinement confiance en notre assureur qui peut tout et respectons les clauses de notre contrat d'assurance avec l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. À l'initiative d'un groupe de serviteurs et servantes des dieux de la République démocratique du Congo, deux journées de restauration de l'Église ont été organisées dernièrement à Kinshasa. Parmi les organisateurs, le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangi, vice-président de la Fondation Olangi Osho. Objectif de ce programme animé par le patriarche Charles Talingano de la République centrafricaine, remettre Jésus-Christ au cœur du message des églises de réveil en RDC. De l'avis des initiateurs, nombre de nos églises et ministères évangéliques ont pris une mauvaise tangente, un mauvais tournant qui les éloigne du message central sur la personne et la nature de Jésus-Christ, le seul sauveur de l'humanité. Conséquence, a déploré le pasteur Talingano, la mort dans ses multiples facettes a élu domicile dans nos communautés, car Jésus-Christ, la résurrection et la vie, n'est plus proclamé comme tel dans toute son amplitude. Dis à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le royaume des cieux. Tu es la puissance d'en haut.
Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es l'épouse du roi des rois. Tu es l'église de feu et de puissance. Tout te réussit ce matin et à jamais. Tu n'échoueras plus. Reprends l'identité de ton père. Ces deux journées ont aussi permis au patriarche Talingano de conduire les hommes et femmes de Dieu dans de fortes prières de restauration de leur vie et de leur ministère sur fond de plusieurs déclarations prophétiques. Et ta vie est cachée en lui. Les préparatifs de la soirée de gala « Maman, je t'aime » qui aura lieu à Kinshasa le 18 novembre prochain en hommage à Maman Elisabeth Olangi-Wosho, ces préparatifs, disions-nous, vont bon train. En témoignent les audiences accordées aux organisateurs par les personnalités qui seront nominées. Parmi elles, Mme Cathy Odimba, représentante adjointe de l'ONU Femmes en RDC. Elle a reçu son invitation dernièrement des mains de Mama Da Silva Olangi, marraine de ce trophée qui vise à reconnaître les mérites de femmes africaines leaders dans leur domaine d'activité. Les mérites de Madame Odimba s'inscrivent dans le cadre des thématiques principales du mandat de l'ONU Femmes en RDC, notamment la participation politique et le leadership féminin, la lutte contre les violences faites aux femmes et l'implication des femmes dans le processus de paix et sécurité. Maman Da Silva Olangi nous fait le point de la rencontre. Elle était favorable, elle a accepté de nous accompagner, elle a accepté d'être là. Et vous allez voir, comme j'ai dit, des surprises, il n'y a que des surprises. Venez nombreux, assistez à cette soirée de gala et vous ne serez pas déçus. En sus de ce contact pour la soirée de gala dénommée « Maman, je t'aime », Maman Da Silva Olangi et Madame Cathy Odimba n'ont pas écarté la possibilité d'une collaboration entre la CFMC et l'ONU Femmes RDC pour la promotion de la femme et de la jeune fille congolaise. Profitant du calme qui règne à Mahanaim City, le site de la Fondation Olangi-Wosho de Bassa, les responsables de l'intercession de la quarantaine ont organisé dernièrement une retraite de prière. Elle a porté sur le thème « Les obstacles de la délivrance des enfants de Dieu ». L'animateur, le disciple de Jésus, le pasteur Omar Koï, s'est appuyé sur Osée 7.1. L'Éternel dit, nous le citons, « Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont levées. » L'intervenant a fustigé les péchés cachés dont plusieurs ont du mal à se départir. Ils constituent des portes d'entrée qui donnent à l'ennemi le droit légal de torpiller nos vies. Quelle est ton origine? Quand on parle de l'origine, on ne parle pas des tribus. Puisqu'en réalité, Job 32,8 dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ton esprit vient d'où? Il faut que par la révélation que tu sauras, tu es un esprit des eaux, tu es venu d'où? Et tu commettras des péchés par rapport à ton origine. Et ainsi, on a parlé aussi des paroles, des origines des paroles qui ont été prononcées, ainsi que des initiations et des rites qui ont été faits. Et enfin, c'est sur le nom qui est une porte d'entrée des autres. Car le nom constitue le monument de quelqu'un. Par rapport au passé, le nom que l'on porte est en train de traduire le caractère. Il importe donc d'identifier ses péchés cachés et de travailler dans le sens de les abandonner. C'est en effet possible avec la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la victoire sur le péché. Les participants à la retraite ont profité du calme de ce site situé dans la nature pour répandre sincèrement leur cœur devant le trône de grâce et de miséricorde de notre Seigneur.